Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sirène Kemer officielle. Botenabinonyoso, j'espère que vous allez bien, tout bien et que vous tout vous allez. Donc, par rapport à ce qui se passe depuis hier, je me suis dit que il serait poli de ma part de me présenter à vous. À vous la Chine, à toi l'impératrice Karine Mukunzi. Avant de me présenter à vous, je vais d'abord vous remercier pour tous vos retours sympathiques et votre soutien sur ma chaîne Sirène Khmer officielle. Donc, la Chine, merci infiniment et l'impératrice Mukunzi, merci infiniment à toi. Pourquoi, moi, une Camerounaise, je parle de Karine, j'apprécie Karine, ben, c'est tout simple, hein. Karine, je l'ai découverte. Bandakala, bien avant, Azalaki na Kinshasa, Azalaki Mouindou, donc pour vous dire que ça fait longtemps. Voilà. Déjà là, j'ai vu en elle une étoile. Voilà. Elle a du charisme. Elle est piquante. Elle a du bagou. Elle a du culot. Elle est charismatique. Et en plus, elle est belle. Et elle a ce petit quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Voilà la raison pour laquelle j'ai commencé à suivre Karine Mukunzi, l'impératrice. C'est tout simple, en fait. Et ce qui me touche chez cette femme, c'est que c'est une battante. Cette personne, pardon, c'est quelqu'un qui s'est fait elle-même. Voilà. Et ça, ce sont des qualités que j'admire particulièrement. Donc, la raison pour laquelle j'ai fait des vidéos de temps en temps, voilà, quand elle sort un single, quand elle fait quelque chose qui me plaît, ben, j'en parle. Et j'aime pas aussi quand on lui cause du chagrin, quand elle a de la peine. C'est normal, quand tu apprécies quelqu'un, quand la personne est heureuse, tu es heureuse avec lui. Quand la personne a du chagrin, bah, ça te fait de la peine, c'est tout à fait normal. Et tu n'aimes pas qu'on fasse de la peine ou du chagrin à une personne que tu apprécies. Voilà, d'où mes réactions, tout simplement. Voilà. Donc, je me présente moi-même. Je suis une maman camerounaise, j'ai 53 ans, je suis de Paris. J'ai deux enfants, 50, pardon, non, du calme, 36 et 23 ans, deux filles que j'adore. Voilà, je suis une femme qui s'assume mais qui assume. Voilà. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre soutien sur ma nouvelle chaîne qui a pour but en fait de promouvoir la culture africaine, par le biais sous forme de biographie. Donc, biographie et ça parcours, hein, tu vois. Autant la parcours, il y a artiste, azala chanteur, azala acteur, azala cinéaste, azala comédien, etc. Voilà. Autant la parcours, il y a donc du début, ou peut-être de son enfance, en fonction des informations que j'aurai, jusqu'à ce qu'il arrive à son statut de star, voilà, ou de personne reconnue. Voilà. Telle est ma démarche, voilà, pour que bah, la culture africaine soit plus connue encore, voilà. Elle ne le sera jamais assez, mais plus on en parle, plus elle le sera. Voilà donc le but de ma chaîne. Donc bien sûr, de temps en temps, je donnerai mon avis sur des choses qui m'interpellent, sur des choses que j'aime, qui me plaisent. Comme, bon, par exemple, quand l'impératrice elle sort un single, bah, je suis là pour dire que ouais, c'est de la bombe et tout, quoi, c'est normal. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, bantous, je vous souhaite une très bonne fin de journée et prenez bien soin de vous. Puis, encore une fois, vraiment, je vous remercie infiniment pour vos messages sympathiques et pour votre soutien. À bientôt, j'espère. Donc, tous les samedis, en fait, je vais poster une biographie d'un artiste du continent africain. Voilà. Merci à vous et prenez bien soin de vous.